sauvons des vies. Je suis vraiment étonné. Nous sauvons des vies. En aimant sortir d'une confrérie, c'est une victoire de Dieu. Amen. Dit Satan. Des tués à garde, les gens qui ont tué leur famille, qui sont maintenant délivrés, qui nous livrent les secrets de Satan. C'est une victoire. Parce que monsieur, là, vous combattez. Frère, si tu ne combats tes sorciers. Amen. J'ai compris ce que Jésus a ressenti quand il était combattu par les Sanhédrins, par les pharisiens. J'ai compris beaucoup de choses. Les gens se sont ligués contre moi. Des pasteurs ligués contre moi. Pourquoi? Parce qu'on veut, délivrer des gens d'un système. Eux, ils effraient les gens, ne croient pas. Ah! Oh, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je n'ai jamais dit à une personne ici. Ne salue pas ton papa. Parce qu'il est sorti. Au contraire, il dit va. Comme tu as Jésus, il ne pourra rien contre toi. Oh, leur système là-bas, ils empêchent les Africains de rentrer en Afrique. Or, pour nous, il faut que les gens viennent investir en Afrique. Or, quand on a Jésus, on n'a plus peur de la sorcellerie. Amen. Tu peux être en Europe et être attaqué par les sorciers. Tu peux aller en Afrique. J'ai compris beaucoup de choses. Oui, beaucoup de caïfs, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais que la gloire revienne à Jésus. Amen. Moi, j'ai encore une longue vie. Je vous dis une chose. Je sais ce que j'étais en train de faire. Vous ne pouvez rien contre mon âme. Oh, yes. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous avez essayé, ça va échouer, ça échouera toujours. Amen. Nous avons délivré 275 sorciers délivrés. Les gens qui tuaient des gens, nous avons délivré ces personnes. C'est une victoire pour le royaume de Dieu. Amen. Satan ne peut pas aller désarmer son armée. Or, oh, c'est tout dans le corps prophétie. Satan peut faire ça. Il y a les charlatans, il y a les marabouts, il y a les gens qui chantent. Moi, j'ai connu ça lors de mon père. Des gens qui venaient dire des choses claires sur la. Venez nous notre papa, c'est qui là? Mais c'était des marabouts. Or, oh, chasser l'esprit de la sorcellerie, il faut avoir l'onction de Dieu. Amen. C'est pas n'importe qui attaque la sorcellerie. Tu ne peux même pas venir faire des livres. Il y a des démons qui ont se manifester. Démons, ils savent qui je suis. Amen. Et ils savent qui je suis. Ce n'est pas ici seulement. Quand je rentre dans une maison, quand il y a un démon, il se manifeste. Amen. Or, l'onction qui a reçu l'église, les chrétiens, c'est de chasser les démons. Amen. Et vous cohabitez les démons. Oh, c'est l'enseignement. Et Dieu merci. Depuis que nous avons posté des vidéos sur le YouTube, beaucoup même des musulmans ont commencé à croire en Jésus. Amen. Amen. Beaucoup même des chrétiens ont commencé à avoir la foi en Christ. Amen. Parce qu'ils ont été beaucoup grugés par des pasteurs à Paris. Les gens les ont escroqués en France. Escroqués en France. D'autres ne vont plus à l'église. Même à Londres, les gens ont peur. On m'appelle, on dit que tu vas venir créer une église. Ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur qu'un pasteur vienne prêcher à Dieu. Je venais, j'ai vu une pancarte qui affiche un homme de Dieu qui vient prêcher, mais toi, de Dieu. Saint-Irène, tout le monde est libre de prêcher. Or, si tu as peur du prophète Crasso, c'est lui que tu es sorti. Amen. Parce que si il te voit sortir, je vais t'attraper à Paris. Ah, tu es sorti à Londres, je vais t'attraper. C'est pas amusement, ils savent. Ils savent cette armée qui se dégage, qui va bientôt démanteler leur réseau. Parce qu'ils ont emprisonné des gens. En fait, aujourd'hui, les gens ont marre. Ils ne veulent même plus aller à l'église. Les gens font les cultes sur Internet. Ça ne les intéresse plus. Je leur ai dit, si vous voulez évangéliser, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Or, nous évangélisons l'Afrique. Nous allons à Zaroko évangéliser. Nous allons dans les villages pour annoncer l'évangile. Oh, yes. De toute façon, nous allons faire l'évangile dans les villages. Nous allons aussi de l'autre côté. Pour sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent venir investir. Or, l'Afrique doit maintenant porter le réveil. Le réveil doit partir de l'Afrique. Amen. Il faut commencer à sensibiliser les Africains. Leur dire non que l'Afrique n'est pas un lieu de merde, de la sorcellerie. Mais au contraire, les gens viendront en Afrique. Ça serait un lieu de
le dimanche sera un lieu de pèlerinage. Et si les gens recevront un bon. Amen. Donc je suis combattu. C'est vrai, j'ai vu que je suis très combattu. Et je suis content. Je suis content parce que je dérange. J'ai commencé à dire Satan. Je suis content parce que je te dérange. Amen. Et j'ai un petit bonheur, je te dérange. Amen. Tant que j'aurai le sou de vie, je détruis tous tes systèmes. Oh, yeah. L'homme a la vie. Amen. Regardez seulement le riz que je prends dans ces temps-ci. Le riz que je prends, c'est qu'il va vous montrer. Vous m'avez enseigné beaucoup de choses. J'ai appris. J'ai appris dans le secret. J'ai appris dans le secret. Amen. Voilà que Dieu bénisse l'accomplissement de mon rêve. Il faut que ton rêve s'accomplisse. Cette semaine sera le terme. Amen. Il y aura des délivrances. Il y aura, n'est-ce pas, des guérisons. Amen. Les sorciers seront délivrés. Nous nous délivrons les sorciers. Heureusement que le pasteur sera là avec nous. C'est même le pasteur qui vient des États-Unis. Lui, on seulement dit, prends le prophète, mets-le dans ta valise, envoie-le. S'il ne veut pas, il faut le prendre. Il était là quand le pasteur parlait. Amisha qui est venu des États-Unis. Il me disait, mais tu sais, à New York, tu es plus célèbre que moi à New York. Je sais parce que je vois les noms de rue. Mais je ne viens pas pour rester à New York. Je viens justement pour parler à la diaspora, pour discuter avec eux. Parce que Dieu ne donne pas son don à n'importe qui. La Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons, de son appel. Alors quand Dieu donne un don, c'est qu'il a vraiment donné le don. Moi, je sais ce qu'il y a en moi. Je suis prêt à combattre la sorcellerie. Je suis prêt à aider tous les frères africains. C'est vrai que les gens parlent. Moi, je suis panafricain. J'aime l'Afrique. Je veux que l'Afrique se développe. C'est pour ça que moi, l'Europe ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai tout ici. Je mange à Kéké ici. Je mange mon placali, un sauce. Voilà là. Je suis tranquille. Ça ne m'intéresse pas. Vous mangez un hamburger. Ça ne m'intéresse pas. Les pizzas, ça ne m'intéresse pas. Mon placali, un voilà. Un polo 25. Je suis rassasié. J'ai toujours dit, je suis le prophète de la brousse. Amen. Oui, mais je suis pas là pour vous, histoire de prière. Il faut que l'Afrique se développe. Et c'est le combat que nous menons. Et depuis cet moment, les gens commencent à reprendre la vie. Vous commencez à comprendre qu'il faudrait se donner à Jésus. J'ai vu des personnes ici musulmanes qui ont venu spécialement de la France. Ils m'ont vu dans le bureau, ils m'ont salué et dit, on voulait simplement pour moi. Et je te dis merci pour le travail. Et c'est vraiment encourageant. Des frères musulmans qui ne sont même pas chrétiens. La plupart des gens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui combattent dans ce que c'est ma vie. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Amen. Je n'étais pas là pour justement. La sœur aussi a envoyé des dons. Si vous ne voulez pas qu'il parle de ça, dites seulement ne dites rien. Sinon, on a envoyé des cadeaux pour les pasteurs. Elle s'est déplacée parce que c'est elle, maman Laurie. Les états de c'est elle, fille là. Voilà, elle s'est déplacée, c'est Naomi, c'est elle qui s'occupe des huiles. Au niveau de l'Allemagne, c'est elle qui s'occupe des huiles. Au niveau de l'Allemagne, maman Naomi, c'est elle qui s'occupe des huiles en Allemagne. Voilà, donc elle s'apprêtait à aller à Paris. Et qu'on a eu tellement de choses, elle a décidé de venir nous soutenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les gens veulent savoir où j'ai je ne vous dis pas. Je ne vous dis même pas. Ne parle plus. Maintenant, je disparais, je m'en vais, je reviens, je bouge. C'est comme ça. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Le combat que nous menons n'est pas facile. Amen. C'est pas vraiment facile. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Merci pour maman Naomi. Merci. Elle a promis, elle avait la voiture. La voiture est là par la grâce de Dieu. Je me disais, tiens, j'envoyais des cadeaux, tiens, m'a montré des cadeaux, ok. Elle voulait forcément voir l'église, pour nous soutenir moralement, elle voulait soutenir les gens, et tout ça, c'est ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et priez beaucoup pour le Togo, et puis priez pour la Guinée. C'est les pays qui vont connaître des grands affrontements. Priez beaucoup pour ces pays-là.
voulais pas que ça arrive. Vous savez, un prophète, j'ai écouté le pasteur parler. Vous savez, les gens disent que ah, le prophète ne poste plus les vidéos, c'est vrai. Mais après, le prophète, il y a une continuité, hein, le programme continue. Ils sont un grand programme, ils sont en train de faire une retraite. C'est-à-dire, sans le prophète, le ministère doit continuer. C'est ça, c'est vraiment important. Il faut préparer la relève. Il faut préparer la... Donc, il faut former les gens. Il a bien assumé, je suivais ça de près. J'étais à l'étranger quand je l'appelais, tout ça, il m'a appelé. Il m'a demandé et tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème pour organiser la retraite. Il a organisé la retraite. Je lui ai dit, tu t'es rentré sur Abidjan. Ce n'était pas trop ce que je viens aujourd'hui parce qu'il y avait des rendez-vous, mais j'ai décidé d'être là. Je l'ai vu en train de prêcher. Mais un prophète, comme il a dit, on le reconnaît, ce n'est pas de l'orgueil au travers de sa prophétie. Le premier dimanche de l'année, je vous annonçais qu'il y aura des catastrophes dans le monde. Je vous ai annoncé ça ici. Que cette année, il y aura des catastrophes dans le monde. Vous allez entendre parler de beaucoup de choses. D'abord, il y a eu la France. Cette histoire des gazistes ont tué les gars de Charlie. N'est-ce pas? Ok. On a vu l'avion qui a crashé, qui a fait crash tout récemment. Vous voyez là, nos frères noirs, excusez-moi, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Il y a eu tellement de choses qu'on a annoncées, c'est tellement de choses. Donc, priez beaucoup parce que cette année, c'est une année où il y aura trop de catastrophes dans le monde. Il ne faudrait pas que ça vous dépasse. Hein. C'est des choses qui ont été déjà prédites. Voilà, quand tu es déjà prédit, j'étais là où Dieu me dit, l'année, ça serait très mouvementé. Et je demande à tous les frères guinéens, à l'église dans le monde entier, de prier pour la Guinée. Pour que nous prions pour la Guinée. Parce qu'il ne faudrait pas que l'Afrique soit un territoire où c'est de la guerre. Où c'est de la guerre. Nous allons aussi prier aussi pour le Togo. C'est vrai qu'ils ont fait les élections. Aujourd'hui, ils vont donner le résultat. Mais prions. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer dans le secret. Il ne faudrait pas que ça arrive. Parce que c'est des pertes, ça c'est des pertes en vie humaine. C'est ça des pertes en vie humaine. Et c'est ce que nous combattons d'ailleurs. Les crimes, la Confédération internationale des hommes de lutte contre la délinquance et les crimes. Et là où il y a les crimes, quand le sang verse, la nation commence à avoir une malédiction. Quand le sang humain commence à verser, oh, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer sans semaine. Quand le sang humain commence à verser dans une nation, c'est grave pour la nation. C'est grave pour la nation. Amen. Nous devons beaucoup prier. J'étais là le premier dimanche, je vous annonçais les catastrophes dans le monde. Nous avons vu Charlie, mon frère qui sont en train de mourir là, de l'autre côté. On a vu ces crashs d'avion. Que Dieu nous fortifie. Mais ça sera aussi une année très merveilleuse pour chacun d'entre nous. Ouais, ça c'est le monde là, qui va connaître ça. Mais ça sera aussi une année de percée. Amen. Dans le domaine du mariage, c'est pas net. Dans le domaine du mariage. Amen. Parce que l'année 2015, ça sera une année de mariage. 2015, ça c'est quoi en numérologie? Vous êtes dans la situation, c'est combien? 2000. Le chiffre 8. Oh, le chiffre 8. C'est un chiffre très important. Après le 8e mois, nous rentrons pour le second mois qui s'appelle le 9e mois là-bas, le mois de l'enfantement. Voilà. Donc le chiffre 8, c'est un chiffre pour le chiffre de bonnes choses. Amen. Donc ça veut dire que le chiffre là, l'année là, vous aurez beaucoup de grandes rencontres. En matière de mariage, cette année là. Amen. 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 C'est une année aussi de percée dans le monde, dans le domaine des affaires. Vous savez, je vous ai dit, le prophète est là pour des actions prophétiques. Nous nous enseignons les mystères. La dernière fois que j'ai commencé à parler des mystères du soleil, ça a troublé beaucoup de personnes. Oui, pourquoi est-ce que ça a troublé? Parce que l'enseignement de Jésus troublait les gens. Quand Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau, il a été troublé. Amen. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre des enseignements. Il y a des enseignements que d'autres personnes qui ne sont pas matures ne peuvent pas saisir. Or, je vous ai dit ici, je vous ai donné l'enseignement ici, dans l'île de Daniel. Or, les gens invoquaient l'esprit d'argent.
l'esprit de forêt. Or, je vous ai dit ici, j'ai un esprit qu'on a. C'est pour ça que les Babylonais, les Akans disent qu'on ne vole pas l'or. Parce qu'il y a un esprit. Or, quand il y a un esprit derrière, il y a un ange derrière. Il y a un ange de la terre. J'ai un ange du soleil. Il y a un ange. C'est des anges. Or, à l'école biblique, on nous enseigne l'angéologie. Mais les pasteurs ne donnent pas le rôle d'un ange. On n'enseigne pas ça aux gens. Moi, en tant que prophète, je vous enseigne des mystères. Comment ouvrir la journée, faire une affaire, enfin, comment réussir dans l'affaire, comment attaquer les choses, comment terrasser un grand sorcier, c'est tout. Moi, c'est mon travail. C'est l'enseignement que je vous donne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ne soyez pas un peu troublés par rapport à tout ce qui arrive, ça a été déjà prédit. Le premier dimanche, je vous ai prédit ça ici. Mais cette semaine, ça sera beaucoup augmenté. Amen. Il aura, je vous annonce déjà qu'il aura des miracles pathétiques. Amen. Je ne vais pas mettre. Il te fera voir des choses. Des choses extraordinaires. Alléluia. Il aura des choses pathétiques, des guérisons extraordinaires. Des miracles pathétiques, je t'assure. Je t'annonce ça. Il te prépare déjà des grandes choses. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis venu vous dire que je suis là. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Merci pour ceux qui nous soutiennent depuis l'étranger. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui ont assuré. Ça, c'est beaucoup important. Il faudrait qu'après Crasso, il y ait le relève. Quand le prophète Crasso n'est pas là, que les gens soient à mesure d'assurer la relève. Et ça, c'est important pour moi. Amen. J'ai fait plus de 10 jours, n'est-ce pas? Les gens puissent assurer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Vous croyez en ce ministère, vous qui priez pour nous. Amen. Voilà, vous qui priez pour nous. Or, quand vous combattez la sorcellerie, vous êtes pourquoi attaquer? Quand vous attaquez le diable, c'est pour ça que les gens ont peur. Les gens ont peur d'attaquer le diable. Oh, le diable est fait pour être attaqué. David dit, attaque ceux qui m'attaquent. Moi, j'attaque le diable. Il m'amuse pas à lui. Amen. Et même si son terrain, je l'attaque. Je le matraque. Parce que l'Église a reçu l'onction. Le pouvoir que Dieu nous a donné, là, c'est pour écraser Satan. Amen. Quand Jésus dit, je donne le pouvoir de marcher. C'est pas pour m'amuser, Satan. De marcher sur eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je suis revenu avec beaucoup d'énergie. Amen. Je reprends le service mercredi, s'il vous plaît. Donc, si j'ai fini. Amen. Voilà. Voilà. Amen. Le pasteur va continuer. Moi, je reprends le service mercredi. On va démarrer un programme, l'accomplissement de mon rêve. Il faut que ton rêve s'accomplisse. Amen. Ça doit rentrer dans l'accomplissement. Amen. Tu as beaucoup rêvé. Hein? Ton rêve doit devenir réalité maintenant. Amen. À toi maintenant, c'est réalisé. Amen. Je vais te donner les techniques. Comment faire pour que le rêve se réalise? Amen. Vous avez besoin des secrets. C'est quoi vous enseignez pas là? Moi, je vous enseigne ça. Amen. C'est que les gens vous cachent là. Moi, je vous montre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Selon les chrétiens les puissants. Mais ce n'est pas le manque de connaissances. Tu es puissant. C'est parce qu'on n'enseigne pas des choses. Que tu ne connais pas certaines choses. Et certaines choses ne t'arrivent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse le micro au pasteur. Que Dieu vous fortifie. Je suis venu juste vous dire beaucoup. Parce que moi, je ne vais pas encore sur Abidjan. Pour certains pousses à faire tout ça. Que Dieu te bénisse. C'est elle qu'on appelle Maman Naomi. Ah, elle est comment? C'est elle. Depuis l'Allemagne, c'est elle. Et tout ça, voilà. Les gens l'ont mis à 20 moments parce qu'on a scopé à faire des huiles, tout ça. Donc, elle est revenue pour qu'on puisse réorganiser certaines choses. Voilà, elle est venue pour qu'on puisse réorganiser l'Europe. Ça, c'est important pour nous. Il faut qu'on conseille de réorganiser l'Europe. Parce que, mine de rien, nous sommes beaucoup suivis en Europe. Mine de rien, nous avons beaucoup de soutien et des personnes qui nous aident. C'est vrai que nous avons beaucoup d'ennemis, mais nous sommes aussi soutenus par beaucoup de personnes. La communauté camerounaise, congolaise, tout ça. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Nous allons sans prier et demander au Seigneur de vous bénir. Il y a des personnes qui sont là depuis fort longtemps. Ma prière de cette semaine, que le Dieu que je prie, ce puissant Dieu qui s'est révélé à moi, vous guérissez, vous bénissez. Quand on va vous démarrer le programme, il va avoir miracle. Parce que j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, ils ne sont pas des comédiens, ils ne sont pas des jeux. Ils ne sont pas joués à nous aussi. Quand tu dis tu fais un miracle, on a cru en toi. Vous savez, moi c'est parce que Jésus fait un miracle, j'ai cru en lui. S'il ne faisait pas des miracles, je n'allais jamais croire en lui. Et quand vous lisez un peu dans Jean le chapitre 2, on dit c'est quand Jésus-Christ a manifesté sa gloire que les disciples ont cru en lui. Si Jésus ne faisait pas de miracle, personne n'allait croire en lui. Personne. Donc il faut que cette semaine-là qui se révèle à chacun d'entre nous. Amen. 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 Et qu'il nous bénisse puissamment. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Moi, non. On va partir.